Yo les gars, c'est Sagdi et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour le rendez-vous du mois, même si tous les mois le rendez-vous n'est pas là. Tout simplement parce qu'il y a des mois où je n'aime pas le produit, donc je n'ai pas envie tout simplement de le présenter. Alors il est là, c'est la Woodbox. Alors, je suis obligé un peu d'expliquer son état parce qu'elle a voyagé quand même. Donc déjà, premièrement, je l'ai reçu le jour de mon départ. Donc j'ai pris la boîte avec moi, c'est quand j'ai fait la vidéo avec Lucille. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire l'opening Woodbox avec Lucille. Sauf qu'avec le 3, tout ça, tout ce qui arrivait, vraiment, j'ai pas eu le temps. Et même en revenant avec le décalage, je n'ai pas trouvé le temps. Donc du coup, bah, au final, cette boîte se retrouve chez moi. Voilà, elle a fait Paris, aller-retour, tout ce que tu veux. Elle était dans la valise. J'ai même hésité à la prendre à Los Angeles pour faire une ouverture avec Skywatt, mais... je me suis dit, je sais pas ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est réellement bien à mettre dans l'avion? Imagine, il y a une imitation d'arme, une connerie du genre. Non, 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 mauvais délire. Du coup, on va se retrouver pour cette Woodbox qu'on va ouvrir et on va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Woodbox, je vous rappelle vite fait le principe. Si tu as une boîte avec l'équivalent d'un peu plus de 20 euros à l'intérieur, mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est ça, justement, le petit truc. Et vous avez aussi moins 5 euros avec le code Sagdi. Voilà, si vous faites une commande, utilisez le code Sagdi, tu auras moins 5 euros. Bon, tu fais comme tu veux, hein, honnêtement, je touche 0 thune. Donc, on va voir. On pioche. Tac. Direct dans le magazine. Je ne regarde pas. Ah. Ça me fait plaisir parce que je sais qu'est-ce que c'est comme boîte. C'est une boîte de pop. Oui, monsieur. Alléluia. Enfin de retour. Là, parce que là, ça faisait deux boîtes justement que ça m'insupportait. Là, vous avez pas vu les derniers Woodbox parce que ça m'a pas plu. Hein, je l'aurais dit. Moi, je fais pas de vidéo. Ça me plaît pas. Hein. Que les figurines devenaient de plus en plus petites. Et pourquoi enlever le concept pop? Le concept pop est très bien. À part s'il y a une autre figurine, je veux bien qu'elle soit un peu plus stylée, un peu plus petite, mais un peu plus lourde, tu vois. Mais qui est de la qualité, tu vois. Pas juste un simple truc en plastique. Non, 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 non. La pop, c'est la pop de Grotte. Alors, je vous avoue que j'ai pas regardé. Alors, certes, c'est un Marvel. J'adore les Marvel, mais honnêtement, depuis quelques temps, Marvel pour moi c'est juste un peu à la Disney, c'est à dire qu'ils vont balancer à fond de Marvel et au final, ben, y en a trop et on s'en lasse. Moi, les Marvel, j'adorais avant, maintenant je ne regarde plus du tout. Bon, on va quand même regarder ce qu'elle vaut, mais je l'ai déjà vu ce personnage, il me dit quelque chose quand même. Ah, ah non, ah oui, ah, j'en ai jamais vu. Oh putain, ah pour la voiture, regardez ça pour la voiture. Avec la tête qui bouge, voilà. Je suis content. Après, vous allez me dire, la figurine, elle est pas grande. Oui, elle est pas grande, mais dans tous les cas, elle passe bien. Moi, j'aime bien, ça va. Ah, voilà, je parlais de figurine de merde. Est-ce que ça se voit mon visage, que je suis un peu blasé, là? Et voilà, c'est exactement le type de figurine que je dis. Donc, je cache pas ma joie, je vous l'avoue. Ah, ma joie, elle est totale. Elle est totale. Ouh, oh là là. Voyons voir. Il y en a plusieurs. Ah... Ah bah, voilà. Je te jure que j'ai même pas fait exprès. Putain, y'a même ça qui est tombé avec. Bon, je sais, ça sera en boîte, hein, mais bon, voilà, ça résume entièrement la qualité. Pour moi, c'est un peu... Je compare ça du putaclic à des trucs comme ça, tu vois, genre, c'est du contenu de merde, genre. Ça sert à rien. Voilà, hop, on va donner ça à quelqu'un qui en aura besoin. Continuons, hein, continuons. Là, ça m'a blasé. Ah, ça m'a coupé complètement. Ah, je vais pas te le cacher. Allez, qu'est-ce qu'on chope? Hop. Le Pins, ah, stylé, le Pins Transformers, bon, après, honnêtement, je suis pas fan de ouf, mais voilà, pour un petit Pins, ça fait vraiment plaisir, voilà, je veux dire, c'est fini, continuons la suite. Ah, ça, par contre, c'est cool. Ah, j'aime pas le jeu, j'en ai rien à foutre, mais, hé, Mass Effect, les chaussettes de Mass Effect, mon pote, non, mais c'est génial, ça, tu vois, c'est des goodies, que t'aimes ou que t'aimes pas le produit. Genre là, par exemple, Mass Effect. Et tu vois, que t'as pas besoin d'aimer le contenu. Tu vois, c'est le concept qui est cool de faire des petites chaussettes. Bon, après, les chaussettes, entre nous, elles ont pas l'air folles. Voilà, il y a juste écrit N7. C'est moi qui kiffe les chaussettes, je t'avoue que voilà. Moi, ça me fait plaisir. Ah, c'est la bonne taille. Mais c'est parfait, ça, les gars. Merci. Ça, c'est cool. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, tu déconnes. Bon, mais c'est déjà la dernière chose. Vous voyez, c'est... Allez, on va dire que cette vidéo sortira. Si je kiffe le t-shirt, si je kiffe pas le t-shirt, ta vidéo sortira pas. Hop. On regarde pas. Oh merde. J'ai pas vu. C'est un t-shirt gris, déjà on part sur un bon avantage. Qu'est-ce que ça pourrait être avec tout ce qu'il y a eu là? On voit que ça ni queue ni tête. Attention, est-ce que c'est un pyjama ou un t-shirt stylé? Ou un pyjama stylé? Je regarde. Oh oui! Eh mec, grave. Ouh. On est avec McFly, voilà, sur la petite caisse. Oh là 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 là. Retour vers le futur. Ah non. Et ben voilà, ben la vidéo sortira. Je kiffe le t-shirt. Non, franchement,
Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement j'aime bien. Après, faut kiffer le film, c'est sûr. Mais même le t-shirt est simple et il a vraiment un côté cool, je trouve. Bon, et ben finalement, vous avez la chance, la vidéo est sortie. Ah, c'était pas gagné, je te cache pas. Dès que j'ai ouvert la deuxième figurine, bah, ma tête s'est un peu décomposée. Vous l'avez vite vu, je pense. Bon, petit récapitulatif de cette woodbox. Bon, voilà, déjà la boîte elle est stylée. Bon, elle est encore mieux quand elle n'est pas déchirée, donc il n'y a vraiment plus rien. Voilà, la boîte est stylée. Bon, pourquoi pas? Donc voilà la petite figurine, voilà la petite arbre sympatoche, voilà la petite tête qui bouge, voilà trollolol, c'est... Non ça va, ça passe je trouve. Après on a eu même Playmobil c'est mieux. Non je sais pas, ouais on a eu ça quoi, il y a marqué quoi d'ailleurs c'est quoi? J'aime pas regarder ce que c'était. Le petit badge Transformers qui fait plaisir, il est vraiment classe hein, pour le coup. Ensuite le truc vraiment stylé, les petites chaussettes Mass Effect mon gars. Ça l'idée vous pouvez rien dire, c'est une idée de génie de faire des chaussettes, c'est vraiment cool. Bon après entre nous c'est pas la meilleure période de l'année pour avoir fait des chaussettes longues mais pourquoi pas. Pensez à nous faire des casquettes dans les woodbox bientôt, pensez-y, c'est l'été. Je balance des idées, je dis ça je dis rien, il y en a beaucoup qui kifferaient. Et on a enfin eu le petit t-shirt de Retour vers le futur qui fait la diff. Voilà, je trouve que le t-shirt il rattrape quand même bien le truc au final. Mais enfin, si c'était acheté, je n'achèterais pas personnellement. Voilà, comme ça au moins vous savez aussi ce que je pense un peu de Woodbox. Je vous avoue que beaucoup m'ont dit de changer, mais d'aller voir ailleurs, hein, tout simplement. Et franchement, je vous dis oui, pourquoi pas. Enfin, c'est uniquement mon avis, autant les gens kiffent les produits qu'il y a dedans, et je respecte entièrement ça, mais voilà, moi, c'est pas mes goûts. Si vous connaissez une autre boîte qui a à peu près le même concept que Woodbox, ben, franchement, laissez-le dans les commentaires, j'irai regarder ça avec plaisir. Bon, en tout cas, moi, sur ce, je vous laisse, je vous smoke tous, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, il fait très chaud.